Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Donc c'est bilan aujourd'hui, j'ai fait 4 recettes pendant le mois de mars. 4 recettes positives, ça c'est un bon point quand même, sauf un petit point qui peut gêner certaines personnes, et donc je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est dans ma première recette, c'est le déo coco, amidon de maïs, bicarbonate de soude et une goutte d'huile essentielle de palmarosa. Donc j'en aurais pu en mettre 2 ou 3, c'est vrai, mais j'en ai mis qu'une. Je me suis dit, je vais essayer comme ça. Donc comme vous avez pu, pour ceux qui ont vu ma vidéo, il a beaucoup rétréci. Il a plus du tout la forme, hein. Je vais pas le ressortir parce qu'après j'avais les mains huileuses, quoi. Mais il a vraiment rétréci. C'est un déo super efficace. J'en doutais, je sais pas pourquoi. J'ai toujours quelques petits a priori en cosmétique, je ne sais pas pourquoi, mais quand je me lance et que j'essaie, bah ça fonctionne. D'abord, dans quelques temps, vous allez voir que je me suis enfin lancée dans quelque chose. Et oui, mais je vous dis pas encore pour le moment. Donc pour ce déo, donc je l'ai appliqué donc le jour A. Je n'ai eu aucun problème. Le jour B, au matin, donc j'ai déjeuné, j'ai attendu un petit peu et après j'ai fait du sport, donc du vélo elliptique à la maison. Et la première chose que j'ai fait, donc en descendant de mon vélo, en plus j'avais quand même sué, etc., je me suis sentie l'aisselle pratiquement aussitôt pour savoir si je pouvais. Et oui, c'est un peu bizarre, mais je me suis dit, tiens, je vais quand même sentir. Et je ne sentais rien du tout, donc c'était hallucinant. Je ne pensais pas du tout que ça allait être aussi efficace. J'ai attendu une semaine, donc j'ai continué à appliquer hein, pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, je me suis épilé les aisselles. Donc après, j'ai pris ma douche. Et ensuite, je me suis dit, j'applique ou j'applique pas. Alors, Elodie m'avait dit que d'appliquer du bicarbonate de soude pur sous les aisselles après une épilation pouvait irriter, démanger, etc. Avoir les aisselles vraiment toutes rouges. Là, je me suis dit, vu qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a une huile végétale en plus de coco qui est superbe. Je vais essayer, donc j'ai appliqué l'huile de coco avec un petit peu d'appréhension parce que j'ai eu un petit peu peur que ça me gratouille, etc. Pas du tout. Par contre, le lendemain, donc je dirais bien 24 heures après, ouais, plus que ça même, oui, 24 heures, ça commençait à me démanger, mais sévère. Alors, plus sur une aisselle que l'autre, mais c'est vrai que ça me démangeait pour les deux, donc je me suis plus gratté l'aisselle droite. Alors, un peu comme une enfant, hein, on va dire, mais c'est vrai qu'après, je me suis raisonnée, je me suis dit, Alexandra, tu n'es pas une enfant, donc je me suis arrêtée de me gratter, ça m'a fait des petits points rouges, bon, c'est normal, hein, on gratte, donc du coup, ça fait un appel, etc. Ça m'a vraiment énormément démangé. Et qu'est-ce qui démange? Bah, c'est le bicarbonate de soude, parce que tout le reste n'a pas de problème, l'amidon de maïs, etc., l'huile de coco, il n'y a pas du tout de problème, c'est le bicarbonate de soude. Et j'ai vu que sur le net, sur Facebook, etc., il y avait quand même pas mal de personnes où ça pouvait beaucoup, beaucoup gratouiller. Donc je suis dans le cas de ces gens-ci. Alors je pense que j'achèterai du bicarbonate de soude alimentaire. J'ai vu que sur internet, il y avait une fille qui disait que si vous mettiez du bicarbonate, donc on peut trouver en grande surface et non alimentaire, parce que c'est pareil, vous allez me dire, mais au niveau du grain, ce n'est pas du tout pareil. Si vous mettez du bicarbonate simple, qui ne soit pas alimentaire, dans le rayon alimentaire en tout cas, ça peut vous arracher les aisselles, ne plus du tout en avoir tellement que ça brûle, etc. Donc peut-être que ça viendrait peut-être de là. Donc ce que je ferai dans un test futur, j'achèterai du bicarbonate de soude alimentaire et je mettrai plutôt celui-ci que celui d'Aromazone. Donc il faut savoir qu'après après cette épilation-là, tout le long du mois, ça m'a gratouillé tous les jours. Alors c'est pas tout le temps, c'est une fois par jour, je veux dire. Alors en règle générale, en fin de journée ou dans la soirée avant de se coucher, donc je n'y pense pas et ça passe, mais c'est vrai que c'est désagréable, hein. Je tiens à dire que c'est désagréable, donc je vais quand même le finir parce que c'est efficace. Mais ensuite je ferai une autre recette, donc un peu dans le même style hein, bien sûr, mais je vais changer le bicarbonate de soude avec un autre ingrédient, donc je ne vous dévoile pas encore tout de suite la recette, je ne sais pas du tout si ça va être autant efficace qu'avec le bicarbonate, mais je ferai la recette un petit peu plus tard. Donc j'en ai parlé avec Caroline de la chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je me souviens plus du tout, à la maison, comme à la maison by Lililine, voilà, je cherchais. Et c'est marrant parce qu'on a mis exactement, entre guillemets, hein, le même jour, donc un vendredi, cette recette de déo coco avec du bicarbonate, sauf qu'elle, elle a mis de la cire d'abeille à l'intérieur. Alors oui, ça va être pas mal au niveau de la cire d'abeille, vu qu'on rentre au printemps, qu'on est au printemps, qu'on va rentrer dans l'été. Tout dépend où vous habitez, mais l'huile de coco fond très très vite, hein. Il suffit de pas grand chose dans les mains, et bah ça, tout est fondu. Donc je vous invite à rajouter de la cire d'abeille à l'intérieur. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, si vous voulez, en barre d'infos, pour aller voir comment elle a fait.
Alors oui, c'est vrai que la cire d'abeille, tout le monde n'en met pas. Les végétariens et les végétaliens n'utilisent pas des choses par rapport aux animaux. Donc de la cire d'abeille, il y en a qui bannissent. Mais il y a plein d'autres cires qui existent. Cire florale, que je n'ai encore jamais essayée d'ailleurs, qui est vrai qu'un jour je saute le pas. Donc il y a toujours des alternatives. Donc mettez de la cire, une cire en tout cas, à l'intérieur. Caroline m'a dit, parce qu'elle avait un petit peu plus de recul que moi, que ça tachait les vêtements. Donc du coup, quand elle m'a dit ça, bah, j'ai fait attention. J'ai regardé un peu tous les jours, quand je me déshabillais, ce que ça donnait. Et bah, c'est bizarre, moi je n'ai pas du tout ressenti ce problème-ci. Je l'ai peut-être vu une ou deux fois, un tout petit peu au fond des pulls. Alors c'est plus sur les pulls en coton. J'en avais un bleu foncé quand même assez électrique. Et en fait, en dessous de l'aisselle, ça faisait un petit peu blanc. Mais bon, faut savoir que quand ça passe à la machine, tout s'en va. Le bicarbonate dessous, en plus, c'est très très bon pour la machine, pour les vêtements. Donc tout part, n'ayez pas peur du tout par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Au niveau de l'odeur, oui. Alors, quand vous l'avez en main, bien sûr, ça sent l'huile de coco. C'est vrai que je n'ai pas mis beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur, donc je sens beaucoup plus l'huile de coco qu'autre chose. Mais vous pouvez mettre d'autres huiles essentielles, mettre plus d'huile essentielle, par exemple, de palma rosa. Vous pouvez mettre de la menthe poivrée, donc attention pour les femmes enceintes et allaitantes, hein, c'est pas du tout une huile pour vous. Mais ça peut donner vraiment un petit coup de fraîcheur pour les aisselles. Personnellement, je ne mettrai pas de fragrance. Je sais pas. Ça me botte pas mettre des fragrances aux aisselles. Mais après, pourquoi pas pour certaines personnes qui aiment. Hein. Alors, j'en ai parlé avec Valérie qui me laisse souvent des commentaires sous ma vidéo. Elle a du pot parce qu'il y a certaines personnes qui ne suent pas et donc qui n'utilisent pas de déo. Tant mieux pour vous. Hein. Franchement, je suis contente pour vous. Mais c'est vrai que pour les personnes comme moi ou pour vraiment plein, plein de gens dans le monde, hein, on est obligé d'en mettre. Mais c'est vrai que de mettre un déo qui est naturel, c'est beaucoup plus. On se sent mieux en fait. C'est vrai que moi, avec mon déo Sanex, hein, à l'aluminium. Il était peut-être efficace, c'est vrai, au bout d'une journée, hein, après ça partait bien sûr, mais on sent mieux quand on sent que c'est un produit naturel, des produits franchement. D'abord, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo spéciale pour ce déo, parce que je me demande pourquoi ils nous mettent autant de produits chimiques dans les déos alors qu'ils peuvent vraiment faire avec de l'huile de coco et du bicarbonate. Pourquoi aller chercher des trucs chimiques alors qu'il y a des trucs naturels qui fonctionnent, mais franchement, qui sont beaucoup plus efficaces que la chimie. Je ne comprends pas. D'abord, j'étais un petit peu estomaquée quelques jours après l'application. J'étais un petit peu sur les fesses, un peu déçue et puis un petit peu en colère par rapport à ça parce qu'on peut vraiment. Je ne sais pas pourquoi ils veulent mettre tout le temps des produits chimiques alors que le coco et le bicarbonate feraient l'affaire amplement. Je ne comprends pas, donc je ne vais pas non plus. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment mis en colère quand j'ai vu que ça fonctionnait et qu'on peut se tartouiller de plein de produits chimiques sous les bras d'aluminium et tout ce qu'on en suit, d'alcool, etc. Enfin bref, je referme la parenthèse, pardon. Donc ensuite, j'ai fait la crème visage concentrée en actifs cosmétiques. Donc je les ai ressortis, les actifs cosmétiques. Alors je trouve que trois actifs, dites-moi vous, hein, ceux qui font des cosmétiques à la maison, je trouve que trois actifs cosmétiques, c'est déjà quand même pas mal dans une recette. Dites-moi si vous, pour vous, c'est pas assez. Il y en a qui peuvent en mettre plus. Moi, je trouve que trois actifs, c'est déjà largement bien. Donc dans cette crème, j'avais mis de l'acide hyaluronique, donc qui est franchement super hydratant, etc. C'est vrai que ça se vend en petite quantité, mais il faut en mettre très très peu. Ensuite, j'ai mis du collagène végétal, donc que je voulais vraiment essayer ce collagène végétal-ci. Ensuite, j'ai mis de l'Algo Boost Jeunesse. Donc j'ai fait un combo de ces trois huiles, de ces trois actifs cosmétiques, pardon. Plus, j'avais mis de l'huile végétale de rose musquée, donc rose musquée qui est excellent pour le côté anti-rides, anti-âge, pour estomper les taches aussi. Donc c'est une huile vraiment, c'est une de mes chouchoutes, franchement je ne le dirais pas assez. Elle est superbe, elle sent très très bon. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai sorti le flacon mais je ne l'ai pas encore utilisé parce que je préfère finir d'abord le pot. C'est vrai que c'est moins hygiénique donc je préfère l'utiliser aussitôt. Au niveau de la texture, c'est génial. On n'est pas dans le liquide, on n'est pas dans le compact, on est entre les deux. C'est franchement super. Au niveau de l'odeur maintenant, j'avais mis la fragrance pétale de rose. Donc je voulais mettre plus de gouttes que ça au début, hein, c'est pour ceux qui ont vu ma vidéo. J'en avais mis 30, je crois. Ou 35. En tout cas, je remettrai hein, le lien de la vidéo. J'en avais mis un petit peu moins. Et je peux vous dire que ça sent la pétale de rose. Ça sent vraiment très très bon. C'est vrai que la crème est jaune, mais bon, ça c'est la rose musquée qui fait ça. Mais sinon, c'est une crème que je vous recommande à 200%. Elle est franchement géniale. Ensuite, j'ai fait l'huile de massage minceur avec les soi-disant Cellucup. Mais ça, je ne peux pas vous en parler maintenant parce que je suis un petit peu trop feignasse. Franchement, je suis un peu une feignante en ce moment. Quand je y pense, ça me motive pas du tout.
Donc l'huile, bah, j'ai dû l'utiliser 3 fois, je pense. Donc huile végétale de calophylle, huile d'avocat ainsi que de l'huile de macadamia. Donc vraiment des très bonnes huiles, hein, nourrissantes, qui vont permettre la circulation, etc. Ainsi que 2 huiles essentielles que j'ai mis, donc pamplemousse et cèdre de l'Atlas. Super pour la minceur, super pour la circulation. Il y a franchement tout est bon là-dedans. On peut vraiment bien se masser les cuisses, les fesses, le ventre, tout ce que vous voulez pour la minceur. Mais c'est une huile géniale. Au niveau de l'odeur, alors j'en ai parlé avec Sylvie, elle m'a demandé au niveau de l'odeur qu'est-ce que ça donnait. Et bah je lui ai dit, et c'est marrant, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, ça me fait penser au pain d'épices. Pourtant ça ne sent pas l'anis, il y a du pamplemousse à l'intérieur, mais je pense que c'est le combo du pamplemousse avec l'huile végétale, le calophylle. Et ça me fait penser au pain d'épices, mais ça sent vraiment très très bon. Moi personnellement l'huile de calophylle je l'aime beaucoup au niveau de l'odeur, et oui elle est spéciale mais j'aime beaucoup. Donc bah ça, je vous en ferai une vidéo beaucoup beaucoup plus tard quand je serai beaucoup moins feignante et plus active avec mes cellules cup et ainsi que les huiles de massage. Mais c'est vrai que je ne peux pas trop vous en dire maintenant. Donc je ferai une vidéo, mon expérience avec l'huile de massage minceur. Et pour finir, le rigolo moussant. Donc il est fini, c'était un bain moussant que j'avais fait pour enfants, entre guillemets bien sûr. Hein. On m'avait demandé, donc c'était Karine qui m'avait demandé sur Facebook, j'avais demandé pour ceux qui voulaient me donner des idées ou quoi que ce soit, et elle m'avait dit ben, un bain moussant. Donc j'en avais déjà fait un, que je vous remettrai aussi en barre d'infos, il y a quand même pas mal de temps, qui était adéquat aussi pour les enfants, mais là j'en ai refait un. Donc avec la couleur verte, donc un colorant alimentaire naturel que j'avais trouvé liquide en grande surface. Et puis bah, au niveau de la mousse, donc je vous mettrai la vidéo maintenant et vous allez voir comment ça mousse. C'était franchement super, c'est trop agréable de se prendre un bain avec de la mousse. Et oui, je suis encore une grande enfant, je sais, mais j'aime beaucoup. Donc au niveau de la quantité, donc moi j'ai 100 ml, j'ai pu faire 2 bains, j'ai mis 50-50. C'est vrai que moi je prends des très très grands bains. Au niveau de la couleur, bien entendu, plus vous remplissez le bain, moins la couleur se voit. Après, elle se voit même plus du tout. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Pour les enfants, bien sûr, alors je vais parler par rapport aux enfants. Je pense que vous allez pouvoir l'utiliser au moins 4-5 fois. Bon, les 100 ml, vous allez pouvoir mettre 4-5 bains à peu près. La couleur, normalement, doit se voir parce que les enfants mettent beaucoup moins d'eau dans le bain. Des fois, ils ont même des petites baignoires adéquates pour eux. Donc là, la couleur va être présente. Donc ça peut être sympa pour eux. Mais moi, c'est vrai qu'avant tout, c'était le côté moussant que je recherchais. Bah oui, j'aime bien. Je sais pas. Je suis encore une grande enfant, comme je dis, mais c'est vrai que c'est sympa de prendre des bains de temps en temps. Bon, là, c'est vrai qu'on va arriver au printemps. Bon, je vais continuer à en prendre. Hein. Et après, plus on avance dans les beaux jours, moins j'en prends. C'est plus en hiver ou en automne, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable de se prendre un bain. Donc voilà pour ce bilan. J'espère que ça vous aura donné des idées de refaire soit les recettes ou soit vous refaire une recette un peu le même type. Hein. Puis bah, je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Bye!